Donc nous voici encore avec une autre vidéo, parce que le téléphone s'arrêtait tout le temps évidemment, j'avais trop de vidéos chargées, donc certaines que j'avais plus besoin de garder, je les ai enlevées. Je suis désolé pour la déconvenue, mais ça vous fait plein de petites vidéos à regarder, c'est plus agréable que les grosses, c'est pareil. Donc, ma foi, accommodons-nous de ce que nous avons déjà, ça c'est une grande richesse de le voir comme ça. Donc le point où nous sommes juste ici, donc je vais filmer Géraldine. Ici. Au pied des mimosas, voilà. Côté sud du terrain. Voilà. Et là donc. Donc on a un point qui est un peu équivalent à celui qui qu'on a trouvé en premier, qui se trouve devant le sapin. Donc qui fait un ancrage également à la terre. Et il complète le premier parce que c'est un équilibrage yin et le premier était un équilibrage yang. Voilà. Et ils sont connectés les deux par un réseau de cours d'eau souterrain. C'est ça. Et donc celui-ci est sur un réseau lipnique, qui est le réseau lunaire, et l'autre est sur le réseau Péré, qui est le réseau solaire. Et ils se trouvent un en face de l'autre. Je te filme toujours là. Ah, oui. Donc les deux réseaux, les deux points se trouvent un en face de l'autre et sont connectés par le réseau souterrain. Voilà, c'est ça. Et donc ça fait un lien dans une énergie constante de décharge et avec des réseaux positifs qui envoient de l'énergie. Ce n'est pas des négatifs, c'est des positifs. Donc du coup, ça crée des modifications dans notre ADN, dans nos cellules, dans des systèmes à l'intérieur de nous. Si j'ai le temps d'enquêter pour vous dire plus précisément ce que ça fait. Bon là, on va continuer parce que voilà. Ça va faire long. Il y a le dernier point qui est juste à côté, qu'on peut aller voir. J'espère qu'on t'entend bien sur la vidéo, sinon on refera tout. Ouais. Bah, au moins on notera entre temps les trucs. Et... C'est ça. Viens, je suis là. Tu dois avoir des sacrées ailes pour qu'elle ait peur que tu t'envoles comme ça. Hein. Bon, là, il va falloir que tu parles fort. Hein. Donc là, on est sur le dernier point. Là, c'est donc une reconnexion tertielle. Une reconnexion tertielle au pied du chêne. Voilà, et on sent bien qu'on est bien connecté, apaisé. Un lieu de détente. Ouais, ça détend énormément là. On sent vraiment... S'il y avait encore quelques émotions dans le bas-ventre, elles s'en vont. On se sent léger et vraiment reconnecté tertiel. Voilà. Donc méditation assurée ici. Et sieste assurée. Et sieste assurée. Bon, on n'a pas regardé les niveaux des vortex. Il y a plein de choses qu'on n'a pas regardé dans le détail. Parce que l'important, c'est de vous faire voir que la Terre... est un miracle de bonheur et de guérison et de bien-être. Soyez attentifs, apprenez la géobiologie, apprenez à guérir votre corps avec des présences invisibles, à dialoguer avec votre ange gardien. Vous serez les plus heureux de tout l'univers. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Au revoir.